Catherine est bonne élève. Elle a compris qu'elle devait être aussi têtue que sa chienne. Mais le véritable défi, c'est de voir si elle arrive à s'imposer comme leader lorsqu'il y a d'autres chiens. Elle découvre... Bella. Là, c'est non. Elle se comporte comme à son habitude. Oui. Vous allez lui montrer que ce qu'elle faisait ailleurs n'est pas accepté ici. Bella a repris ses mauvaises habitudes. Ce n'est pas surprenant. Il y a encore beaucoup de travail à faire. C'est l'occasion pour Catherine de s'entraîner. Bella est extrêmement bornée. Alors sa maîtresse doit l'être tout autant et la réprimander au moindre comportement indésirable. Venez à leur niveau. Prenez le petit. Il s'appelle Alfie. Salut. Voilà. Et maintenant, bloquez là. Je la bloque, comme ça? Ouais. Je la repousse complètement? Oui, oui, oui. Et puis vous revenez à lui. Bien. Continuez. Reste là-bas. Tu restes là-bas. Voilà. Encore. Ça peut durer longtemps. Bloquez là. Voilà. On bloque. Comme ça, vous lui apprenez. Oui. Encore. Vous avez vu? Oui. Il aura fallu la repousser 5 fois. La prochaine fois, ce sera moins. Il faut trouver la bonne énergie, celle qui fonctionne dès le début. D'accord. Il faut que vous y croyez. Parce qu'elle le sent. Oui. Vous y croyez, donc elle aussi. Si vous n'y croyez pas, que vous hésitez, elle va continuer à revenir. Oui, je vois. Regardez-les. Regardez. Oui, ils s'amusent. Magnifique. C'est super. César m'a beaucoup appris aujourd'hui. Je lui en suis très reconnaissante. J'ai hâte de mettre ces techniques en application pour instaurer une relation stable.
avec mon chien.